bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On se retrouve avec notre fine équipe juste après avoir complété notre quête chelou. Et j'ai vérifié du coup, effectivement, Omar est débloqué dans le mode de jeu, enfin avec les Legacy Points qu'on peut avoir au début. Quand on choisit son personnage, on peut dépenser des points pour le prendre et en fait il était dans la liste mais on ne pouvait pas le sectionner. Quand on essaie de sectionner ça mettait non, il faut avoir fait... Il faut l'avoir débloqué, maintenant on peut le prendre. Donc si jamais on fait une aventure, je pourrais commencer avec Omar directement si j'ai envie. Il y a d'autres personnages à débloquer, mais on n'en parlera pas plus pour l'instant. Ça m'a débloqué entre temps plein de points de talent, et j'ai découvert un truc intéressant, c'est-à-dire que ici là, j'avais un talent qui était exclusif, c'est-à-dire qu'il empêchait de prendre le talent Militia. J'ai découvert qu'en fait je pouvais totalement le prendre, c'est juste que je peux décocher ce truc-là et activer celui-là, bon, quand je l'aurai pris bien sûr. Et du coup je pense que je vais le faire, parce que là on a champion qui fait que nos héros gagnent 2 XP pour 1 contre les troupes. Alors que nous, clairement, ce qui a besoin de monter de niveau, c'est nos troupes. Donc on va activer ce truc, et après on va pouvoir le sélectionner, voilà. Et du coup on va pouvoir gagner plus de troupes pour nos... plus d'expérience pardon, pour nos troupes, étant donné que nos champions sont déjà au max. Ce qui veut dire qu'on peut aussi prendre ces trucs là. Hein. D'ailleurs, je l'ai toujours pas trouvé ce truc là non plus, Active Skill. Là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Après, on pourrait améliorer. La... On pourrait améliorer notre vitesse, plus de stamina pour la monture. On pourrait aussi partir du côté du marchand. Hein. Continuer de... Si on va jusque là... Ouais, on va peut-être continuer d'améliorer notre soin plutôt. On va essayer de compléter ce truc là. Notamment réduire le temps de respawn de notre personnage. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, on est reparti pour la quête pour trouver le marchand. Vu que sinon il faut qu'on trouve de la viande d'Ifrit. On essaiera de voir si on en trouve à l'occasion, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas pas tout de suite. On part par là. Hop. On rattrape le Golden Bazaar. Hop là. Alors, il faut qu'on trouve ce foutu marchand maintenant. Et éventuellement des herbes pour... Ouh, plein de loot là. Des herbes pour réveiller les gens qu'on avait trouvés. Donc on va ramasser un peu tout ce qui traîne. Attends, il y a plein d'ironstone, excusez-moi, je me... Je ne peux pas laisser ça traîner par terre. Les dacs, ils en sont où? Attends, ils ont plus que deux territoires. Amarantone. West et South. Ok. Ils vont crever. Hein. Alors je sais pas trop ce qui se passe dans le jeu quand une faction disparaît. Tiens, un marchand qui se balade tout seul. Alors lui il nous demande... Enfin c'est un marchand qui nous propose d'acheter des parchemins magiques. Ok, alors est-ce qu'éventuellement... Je peux pas t'acheter des trucs, mais est-ce que je pourrais te vendre des trucs? Complètement, on va en profiter. C'est bien trop rare les... Le fait de pouvoir vendre comme ça à des gens des trucs qui traînent, on va te vendre ça. Bon, on le vend pas une fortune, hein, clairement. Ça, on va le garder au cas où. Ça aussi. On a des roses, on les garde. Potion d'agilité, hein, pourquoi pas. Du lin. Niveau bouffe, on est à 162. On n'avait rien d'autre de mana. Pollen hallucinatoire. Non. Ah oui, ça on va vendre. Ça, bon, ça vaut 1. On va les garder au cas où. On va garder un petit peu d'armes de chaque type. Celle-là, on va la vendre par contre. Bon, c'est franchement pas ouf hein, le prix de vente, mais c'est pas grave. Hop, on se fait plus en ramassant le loot qui traîne par terre.
Par où faut qu'on passe? Ah, ça nous dit pas où c'est, hein. Du coup, on va partir. On va se dire que c'est plutôt vers le bas. Ah, mais attends, mais ce qu'il me montre, c'est pas. La quête est complète. Ça se trouve, on l'a faite sans que je m'en rende compte. Oula, une grosse baston là. Ah non! Ah putain! Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Il est tout seul, il est tout seul, mais il y a les autres qui sont avec lui, non? On va tester, mais à mon avis, il va avoir les renforts. Hein. Ah non! Oh putain, on a des démons avec nous et tout. Putain, je suis stun de chez stun là. Merde. Ah oui, voilà, 727 en renfort là, ouais, ça ressemble un peu plus à. À ce que j'avais vu. Putain, comme ils me stun les cons. Ouais bah non, on va jamais pouvoir tenir. Même transformé en bestiole. À me retourner pour taper. Wow. Le massacre quoi. Waouh, ça a piqué. Ça a piqué, ça a piqué. Alors du coup la dernière fois qu'on avait foutu un truc, ouais, c'est dans les montagnes. Du coup ça ressemble à quoi? Oh, ça va. Le seul qui est vraiment blessé, c'est lui. Par contre, faut qu'on paye pour le restaurer. Ah, on n'a pas ce qu'il faut, merde. Ah, il y a lui aussi qui est blessé. Bon, je crois que j'avais fait une petite sauvegarde auto. Non, putain. C'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Ouais, voilà, là. On était où là? On était là, voilà, on allait ramasser des bouts de machin qui traînaient par terre. Alors ça c'était quoi ça? Ah, du fermier, non, certainement pas recruter des fermiers, ça ira. Hop là. Ok, donc attention, parce que visiblement ils se tapent dessus, sauf qu'une fois qu'ils ont réussi à gagner, ils s'allient contre moi. Bon, on va pas se faire chier à revendre nos trucs 300 balles. Hein. Alors, attention. On va les laisser combattre dans leur coin et on va se barrer. Alors il me demande d'aller dans le mur, c'est un peu un problème. Laisse-moi te dire ce qui est, je veux. C'est un problème. On va repartir par là en espérant pas tomber sur des gens désagréables, ils sont toujours en train de se castagner. Tirons-nous. Là il y a des trucs. Non mais je vais pas t'attaquer, c'est bon, t'en fais pas.
Il y a beaucoup de fleurs dans le coin. Moi, ce que j'aurais besoin réellement, c'est du bois. Ça se castagne dans cette zone. C'est vraiment la zone de guerre, hein, quand je disais ça. Vrai là. Ils ont des gros scorpions, on les voit. Ah, il est là, notre marchand. Coucou, toi. Oh, salut. Est-ce que tu as trouvé le cristal utile? Quoi? Tu l'as cassé? Mais tu me le dois. Tu ne savais pas comment l'utiliser. Mais bien sûr. Je vois que le destin a déjà pris son dû sur toi. Ah, c'est vraiment dommage. Salut. Stop. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien, je me rends. Si vous avez battu cette dryade, vous êtes certainement suffisamment fort pour me tuer. Laissez-moi partir et je vous dirai les secrets de la vraie pierre des malédictions. Non, on livre au Nazir. Quoi? Tu vas faire ça? Non! Tu vas me vendre juste parce que tu as perdu 500 hitards. Je te donne une chance de changer d'avis. Ce secret te permettra de gagner une fortune. On peut essayer de le laisser partir. C'est un secret, c'est vrai, vraiment. Je ne le partagerai pas avec toi, sauf si c'était le dernier truc que je pouvais faire. C'est toujours mieux que perdre ma vie. Très bien, très bien, très bien. Voici le secret. La pierre de malédiction est placée dans une cave, dans une caverne cachée à l'ouest de Umbracliff. L'info vient du chef des nazirs lui-même. Je ne sais pas exactement où, c'est quelque part à l'ouest. Si je le savais, le trésor serait déjà dans mes mains. Je ne dirai à personne d'autre, je m'en vais. Bon courage pour chercher tout ça. Je suis pas sûr que c'était rentable. Hein. Franchement, je suis pas sûr. C'est ouf, du coup. C'est tout là-bas. Faut qu'on traverse deux zones avant d'être sûr. Non, on va le livrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on va le livrer aux nazis. En plus, on veut devenir pote avec eux. Du coup, l'un dans l'autre, ça me paraît plus pertinent. Allez, on va passer discrètement à côté d'eux. Voilà, très bien, on trace. Bon, en plus, je sais pas ce qu'on ferait d'une pierre de malédiction. Hop, on le lit, donc il va me dire non, non, scandale, il faut pas. Hop là, 710 XP. Et on a accepté la quête, la justice. Et du coup, il va falloir qu'on retourne. Bah, on est juste à côté, ici on peut pas faire de trucs intéressants, ils nous aiment pas. Ah non, ça va. Les nazirs, ah, du coup, est-ce qu'ils nous aiment mieux les nazirs? Pour l'instant, ça n'a rien changé. J'espère que la quête va aider, ça aiderait, ce serait dommage. Et ce qu'on fera après, c'est que on essaiera d'aller faire un tour à le truc de lave là, où il y avait des ifrites. On a peut-être le niveau maintenant, puis on n'est plus tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend lui? Des serpents. Bah, ce serait intéressant hein, dans notre RP de jouer vraiment les bestioles, mais bon, on a quand même des gens qui sont très très efficaces là. Je pense que si je devais me débarrasser de quelqu'un, ce serait probablement deux ou deux éventuellement.
Heavy Armor, Taunt, Taunt, Disable Resistance, Heavy Shield, Heavy Armor, Stun. Ceux qui sont deux après, ça reste deux personnes quoi. Shield Bash, Heavy Armor. Bon, continuons. Donc nos potions vont être discard, mais on a personne à soigner, j'ai pas regardé, mais non, on est d'accord. Il nous faut du bois. Pourtant qu'on n'était pas passé dans le coin. Limestone Flower, beaucoup trop de Limestone Flower. Alors, le Trader, il nous dit, est-ce que je ne pourrais pas juste te remposer, attends juste quelques jours? Non, ne me livre pas à eux, je te le supplie. Voici ta récompense. Les nazirs payent toujours leurs dettes. On récupère 20 jade. Et du coup, ça a monté de 34. Notre amitié avec eux, ça valait le coup. On est friendly maintenant. Ça valait carrément le coup. Et on a récupéré un talent supplémentaire. On va donc prendre Revive. On va sauvegarder. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tenter de faire ce truc-là. En plus, on avait écrasé les gardes la dernière fois, donc du coup, on n'est pas emmerdé. Ah, là, il y a un truc. Ah, c'était par là. Ah bah, il y a un point de ralliement juste ici. Hop, c'est un rally point. Allez, on jette un œil. 24 heures de préparation, on y va à 4. 700 utars, ça déconne pas. Le temps de boire un coup. Alors, on va prendre 3, on va prendre toi. On va prendre toi avec ta lance. Et on y va comme ça. On ouvre le coffre, un peu d'ironstone, très bien. De la vie ou du mana, bon, on a, de toute façon on a perdu ni l'un ni l'autre. On rencontre des guerriers ifrites. Parfait. Ah oui, cash. Il y en a un qui nous balance de la lave par ici. Laissez-moi passer. On se cache. Voilà. On a quand même pris un peu, hein. Alors, étage 4, il n'y a rien. À étage 5, il n'y a rien. À étage 6, on re-rencontre des Ifrit Warriors. On va lancer un petit heal. Ça me paraît nécessaire. On va invoquer des gens. Ah, Eric est quasiment à poil. Hein. En plus, forcément, il résiste un petit peu. Putain, je suis tellement loin à me retourner par contre. Si on pouvait trouver un truc qui nous donne un peu de vie, ce serait pas mal. On récupère un minimum de thunes, on pourrait augmenter notre défense. Mais diminuer notre mouvement, on va le prendre. Un peu de défense, faute d'avoir de la vie. Il se passe rien ici. La vie. La vie, la vie, la vie. Et on arrive à la fin de la map. Oula, c'est sympathique comme coin. Alors, vous marchez à travers les flammes et vous arrivez tout en bas de la caverne. On trouve des traces d'ifrites. L'air est rempli d'une aura de, comme d'une aura de meurtre. Un adversaire puissant nous attend. J'imagine que c'est le Lava Mage. Alors, on entend des rires tout autour de nous et on se
retrouve entouré par des guerriers ifrites d'élite. Wouah, pfff, il nous balance des boules de lave quoi. Tranquille. Bon, par contre, il est plus faible que tous les autres ifrites réunis. C'est un peu triste. Je pensais qu'il allait invoquer des potes, mais non. Alors, on récupère une robe d'or en cendre, ou une hashed gold rod d'or, ouais. Quelques trucs, très bien. C'est tout. Ok, bah du coup on a réussi cette quête, très bien. Alors à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Level 14, 1200 de vie, stamina plus 6. Ça augmente la vie du groupe, c'est cool. Et la défense du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau? Ça pourrait être mieux que ça hein, quand même. Nos combattants ils ont quoi? Ouais non, t'as déjà mis en level 15. Toi t'as un truc qui se casse pas, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'on va changer ça. Tu seras très bien avec cette robe ma chère. Eric, tu fais le taf, tu fais le taf, pas de problème. Donc notre dash c'est le bois maintenant, hein. Ça va et ça vient, hein. Des fois c'est le bois, des fois c'est c'est le jade, des fois c'est le fer. Alors maintenant il faudrait que je trouve qui c'est qui me l'avait demandé, c'était le mec qui était juste là. Ok, parfait. Sauvegarde, on se côté coince, merci. En haut ou en bas? Oh. Oh là là, les decks, ils ont reperdu leur dernier truc. Ils ont... Ah, il en reste plus qu'un truc quoi. Oh les mecs, ils sont dans le mal. Hein. Je sais pas ce qui se passe. On va bientôt voir ce qui se passe quand une faction disparaît, je pense. C'est comme dans Mutant Blood, ils restent là et puis. Alors, donc, le vieux pillard pense qu'il hallucine quand il vous voit. On lui rappelle ce qu'il nous avait promis et il nous donne un sac de cuir. On le prend avec satisfaction et il ne ferme pas sa bouche jusqu'à ce qu'on parte. On a récupéré 200 d'XP et quoi, un sac de cuir? Ça fait quoi? Ça nous a donné plus de place, j'ai pas l'impression. Bon, ok. Ça commence à être un peu la dèche d'espace d'ailleurs. Du coup, est-ce que ça, je pourrais pas le donner quand même à quelqu'un? Level 4, level 5, level 8, level 15, level 5. Bon bah, on s'en débarrassera à l'occasion. On a de nouveau un talent, bah dis donc, ça tombe. On prend les rations améliorées, moins de consommation de nourriture, ça fera pas de mal. C'est pas ça que je voulais faire. On commence à être un petit peu en déj de quête. Ouais, ça, on est d'accord que c'est. Non, j'avais déjà testé, c'est uniquement pour les retrouver, mais il faut d'abord qu'on trouve de la viande et on n'a pas trouvé. Ça, on n'a toujours pas trouvé de bitter flower. Non, bah je pense qu'on va retourner faire un petit tour du côté de Fleur. Bah, cette zone-là, on l'a bien poncée. Il ouais. Y avait un endroit... On l'avait fait, l'espèce de gros lézard là-bas, je me souviens plus. Si on avait réussi à le gérer ou pas, j'avais vérifié. Je crois que oui, hein. Je crois que c'est lui justement qui nous avait donné nos super armures qu'on utilise depuis. Là. Ouais, ouais, ouais. Ok, on va aller du côté de Fleur, essayer de terminer les quêtes qu'on a là-bas également. Notre quête principale, c'était où? Stone Corridor du West Dokkana Desert.
Ah d'accord, c'est tout là-bas, ok. Allez, on va aller faire monter un peu de niveau nos bestioles. D'ailleurs, ils peuvent pas monter de niveau encore eux. Non, c'est quel niveau qui monte? Level 15, c'est bientôt. Et eux, c'est level 20. Allez, go! Je peux acheter des livres ici. Mirage. Bah ouais, pourquoi pas, ça fait quoi? Alors, on peut apprendre Mirage qui nous fait, ça invoque un brouillard qui empoisonne les ennemis. Il va aussi nous cacher et restaurer un peu de santé. Ah, on peut choisir à qui on le donne, c'est cool. Toi, je pense que tu seras bien avec ce truc. Hop. Et du coup, elle a appris Mirage. Donc si on la prend, elle a ce truc là. Ah, c'est cool ça. T'en as pas un autre? Ah non. Bon, bah du coup, faudra penser quand on passe dans le coin. Acheter des petits de compétences. Toi tu nous vends quoi? Non, des Badlands Wolf Club, très clairement non. Vous m'avez dit dans les commentaires hein, que les animaux peuvent être très puissants, mais je pense que là on est quand même pas mal au niveau groupe. On n'a pas trop d'opportunités d'augmenter la taille de notre compagnie malheureusement. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit déjà level max. Toutes. Tekira Flower, y'a pas de Bitter Flower dans le coin? Non. Allez, on va se faire vite fait le petit camp de bandits qui est là, comme on se le fait à chaque fois. C'était rentable. On va me récupérer un petit peu de bois. Alors attention parce que dans cette zone il y a des gens qui nous aiment pas trop. Hein. Ah oui c'est vrai, lui c'était Arbor Palace, très bien. Est-ce que toi maintenant là... Ah non, mais t'es pas encore prêt. Merde. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une ancienne tradition de trouver des statues de guerriers de feu dans le village de Fleurs. Oui, vas-y, dis-moi. On a 7 jours pour trouver au moins 6 statues dans la zone du village de Fleurs. Pourquoi pas? Alors, faut trouver des statues de feu autour du village. Alors déjà, si je me bouffe dans les arbres, on n'est pas sorti du sable. Vu qu'il faut qu'on explore cette zone pour trouver où sont les foutus... bandits qu'on n'a jamais réussi à trouver. Ah, il y a des marchands là. On va aller faire un petit tour, il a l'air d'être ouvert le bazar. Mysterious Triclette Marchante. Gold Ring légendaire, plus 2 white. Ouais, on prend, ouais.
Drake Goldring. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau? 8 de spirit, 5 de stamina, 18 de force et plus de santé. Bah, ça tombe bien, j'en prends parce que des trinklets on en manque. Hein, donc, hop, un apothicaire mystérieux. Une attaque, une potion d'attaque. Et lui il a un gold ring avancé. Non. C'est bien comme ça déjà. On va caler un rally point dans le coin. Si on pourrait détruire des bandits, récupérer du loot. Non, faut qu'on fasse des statues de feu là. Alors je sais pas trop c'est quoi la zone du village de fleurs. Hein. Est-ce qu'il nous a dit que c'était dans la zone d'influence du village, mais... non, on s'en fout. C'est ça les statues ? Ah d'accord, on a trouvé une. Très bien. J'imagine qu'on les voit pas. Ah si, on les voit en plus sur la map. Il y en a une là. Une là, d'accord, c'est loin quand même. Une là-bas, ok, d'accord, donc c'est ces statues-là, demi-tour. Il nous en faut 6. Vu que lui, il faut peut-être qu'on aille voir son fils hein, au final, mais pour l'instant on va s'occuper des statues. Alors, elle est là, la statue, comment on y va? Il faut qu'on arrive de l'autre côté, pas de bol. Demi-tour. Cours, cours, petit aigle. Enfin, vol du coup, plutôt. Vol, petit aigle, vol. Et donc, on commence à être un peu en dèche de nourriture. Ok, ici, on va se les faire, cela. Ouais, c'est bon. On va prendre toi, toi et toi. Toi t'as toujours pas d'équipement, j'ai pas envie de m'emmerder. Ah non merde, c'était le truc pour les gardes, je pensais que c'était un camp de... Bon, tant pis. Non, ils sont pas capables d'arrêter mais... de m'arrêter quand j'invoque de toute façon. Zut, du coup on va libérer des gens mais ça me semble servir à grand chose. Ouais, la cavalerie. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la convertir en expérience pour notre petit dragon. Là. Allez hop. Voilà. Ce sera très bien. Alors ensuite, on a dit... On va par là. On va essayer de fouiller cette zone. Donc on descend, on prend à droite après... Le petit lac. Hop là, et on va aller par ici. On peut passer ou pas? Ouais, on peut passer. Tiens, il y a un cristal de lave là. Très bien. Et une statue, parfait. Donc on en a 3. Ici il y en a une, il y en a deux, il y en a 3. Ok, donc on a ce qu'il faut. Maintenant il faut qu'on descende. Le plus court c'est par là. On va finir ça. Ouf, non, on va arrêter l'épisode là, il est assez long. Je vais pas vous faire une fin d'épisode où on court partout pour les statues. On va s'arrêter là pour cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.